Je suis complètement fou. Salut tout le monde, je m'appelle Steve Lawrence. Yeah! Je crois que c'est la première fois que je la fais de la main droite. C'est vraiment bizarre. Alors regardez ce que Corsair m'a envoyé, bordel de merde! C'est la nouvelle chaise T2. Oh my fucking god, la version 2, c'est la deuxième chaise qu'il produit. On va pouvoir la déballer et la tester. Donc, pour ceux qui ont envie de voir la première version, oh oui! Avec les roues de patins à roues alignées, honnêtement, la chaise se déplace même un peu trop bien. Alors, vous avez devant vous la première version, la T1. Honnêtement, la qualité de fabrication est incroyable. Cette chaise est incroyable. Personnellement, le seul souci que j'ai eu, c'est au niveau ici du lombaire. De la façon que je suis fait, j'ai le dos un peu creux. Ça m'a donné quelques douleurs au dos quand je reste assis longtemps. Donc, c'est le seul point négatif que j'aurais à donner. Parce que sinon, de toutes les chaises que j'ai vues ou même essayées, jusqu'à maintenant, c'est l'une en fait de meilleure qualité que j'ai pu tester ou même toucher. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la T2. Il paraît qu'ils ont compris en fait certaines choses de leur clientèle. Donc, ils ont modifié considérablement la chaise, sa posture, certains trucs un peu plus larges, je crois. Donc, pour les gens qui sont un peu comme de mon gabarit, que ce soit un peu plus confortable. Honnêtement, c'est fucking lourd. Donc, ça promet. Alors, on a évidemment la fucking hache. Putain de merde! Voilà! Faut que je fasse attention parce que il y a quand même du cuir là-dedans. Oh, je pouvais pas attendre quand je l'ai reçu. Je devais absolument vous faire une vidéo. Ça me manquait beaucoup trop, les unboxings, honnêtement. J'adore ça. Je pourrais pratiquement... J'aime tellement les unboxings que je pourrais pratiquement avoir une chaîne que de ça. Ça sent vraiment pas bon, honnêtement. What the fuck? Et bordel de merde, c'est même pas en plastique. C'est même pas en plastique, guys! C'est du métal! J'ai toujours vu ces trucs en plastique, c'est incroyable! What the fuck? On a juste ça! Juste ça, c'est fucking lourd! Damn! Comme Hulk Hogan! Regardez comme c'est sexy, putain! Alors, première chose que je peux constater, le support lombaire est beaucoup plus petit. Le dernier était énorme! Il y avait un espèce de petit manque. Et là, quand je mettais le support lombaire, je me retrouvais comme ça. C'était vraiment pas mieux. Donc, j'espère que ça a été résolu et que le confort va avoir été amélioré. Donc, j'ai fini de la monter. Maintenant, il va rester à mettre mon gros cul là-dessus afin que tout se place et voir si ce truc est confortable. Non, vous rêvez pas. Vous avez vu la dimension de la T2? Elle est beaucoup plus grosse que la T1. Je veux dire, beaucoup. Elle est plus large, elle est un peu plus haute. Les deux sont à leur plus bas présentement, mais regardez la hauteur qu'elle se rend. On a une appui-tête formidable. Elle a une meilleure courbe que celle-ci qui est un peu plus droite. Et elle est beaucoup plus creuse au niveau du haut du dos. Ici, on a vraiment déjà une courbe un peu plus optimisée et on est moins creux. Donc, on va avoir un meilleur support lombaire. Holy shit, dude! Ah!
Ils ont élargi les côtés. Je me sens beaucoup plus confortable. Et là, si je retourne sur l'ancienne, ah putain, on voit tout de suite la différence. C'est incroyable. Les côtés ici viennent me serrer. C'est beaucoup plus petit. La tête, regardez ça. Il faut... Je la laisse pencher comme ça. Et là, sinon, si je veux que ma tête soit pliée, je dois l'avancer. Et là, il faudrait que j'enlève le au niveau du cou, mais c'est tellement pas la même chose. Donc ça, c'est attaché. Ça, je l'ai pas attaché parce que, honnêtement, là, comme je dis, je crois pas que j'en ai besoin. Non, j'ai pas besoin du support. Ils ont tellement bien amélioré la chaise que j'en ai plus besoin. Ça vient vraiment dans le dos. Quelqu'un, par exemple, qui aurait un dos vraiment creux, ça pourrait être vraiment super pour lui. Mais je crois que je vais plutôt mettre le support lombaire sur celle-ci. Parce que elle en a besoin. Elle? Ah non! Oh, par contre! Oh, au niveau du cou! Oh, le fait que ce soit en Suède! Ah, ça vient caresser la nuque! Ah, c'est délicieux! Bonne nuit tout le monde! Regardez ça! Ah, c'est parfait. Oh ouais. Je mesure, pour ceux qui se demandent, je mesure 5 pieds 10, 182 cm. C'est parfait. C'est juste parfait. Et là, tu peux vraiment te... Oh shit. Oh, tu viens placer ça comme ça. Ah, oh, je vous jure, c'est... Regarde, j'empare mes mots comme ça, c'est génial. Alors... C'est la fin de cette vidéo. J'aimerais dire un grand merci à Corsair, mais aussi un gros GG. Parce que, au lieu d'avoir pris le même produit, avoir par exemple donné des coloris différents, ben vous avez su être à l'écoute de la communauté et améliorer votre produit. Là, c'est une chaise adaptée à mes besoins. Et bordel ce qu'elle est confo, ça n'a rien à voir avec la première version. Oh my god, c'est incroyable. Alors merci, et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!